On me fait savoir que Yang Yama Makanda ou Ranson à Zalipéa. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? J'aimerais lui dire merci, il est là. Est-ce qu'il est là? J'aimerais le voir. J'aimerais le voir. Ça ne dérange rien, j'aimerais le voir. Est-ce qu'il est là? Mais on me fait savoir également que mon frère Bill Clinton Kalonji a Zalibia. On me fait savoir que Héritier Ouattara veut bien Zalibia. Mon frère Fali m'a dit qu'il est occupé, il est empêché, il est en Europe. Mais pour sa disponibilité, Bethlehem est super beau popo. Voilà. Nous avons responsabilisé le gouverneur de la ville avec madame la ministre des Affaires sociales de s'occuper des victimes, faire la suite sur les victimes, parce qu'on a enregistré au cours de cette réunion malheureusement 9 morts, plusieurs blessés. Nous pouvons vous rassurer que nous allons suivre tout cela de très près avec le ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux, pour que dans un délai le plus bref, les responsabilités tant pénales que civiles soient établies et que justice soit faite. Bien-aimés de le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, l'incomparable et l'incorrigible grand Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous fortifie, vous renouvelle, vous taille, vous perfectionne et pardonne également les péchés de tous ceux qui viennent dans la bergerie. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous contactent afin de nous actualiser par rapport à ce qui se passe dans le corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse encore et toujours. Mais bien aimé, aujourd'hui, je veux en peu de mots parler sur le concert plein à tuer de Mike Kalambay. Mes frères, j'espère que vous qui suivez nos enseignements, nos vidéos, je peux dire, vous qui suivez notre chaîne YouTube, vous comprenez déjà les choses que nous ne faisons que répéter à l'église. Trop spirituel, on s'abrutit. Trop ignorant, on s'égare. On s'abrutit. C'est une série de dénonciations que j'avais intitulée ainsi. Mes frères, c'est triste de vous voir continuer dans l'ignorance. L'ignorance va tuer encore plusieurs personnes. Malheureusement, vous êtes en train de mourir comme des Philistins. Vous mourrez comme les Philistins. Combien de fois déjà on vient ici et on vous dit des choses qui peuvent vous garantir la vie.
soi-disant un pasteur, Mike Kalambaye. Il a fait un concert dans lequel il y a eu 9 morts et plusieurs blessés. Mais comment ça se fait-il qu'un concert qui est soi-disant pour la gloire des dieux, mais il y a des personnes qui vont mourir là-bas. Il y a des personnes qui vont se blesser là-bas. Mes frères, je vous l'ai toujours dit que il y a plusieurs choses dans le corps de Christ que nous avons gobées venant des aînés dans la foi. Le mot concert, le terme concert chrétien ne figure même pas dans la saine doctrine. Même pas. Le mot concert chrétien ne fait pas partie de la doctrine de Jésus. Ça ne fait même pas partie. Ce sont les aînés dans la foi. Je vous l'ai toujours dit, frère, que les aînés dans la foi nous ont introduit dans plusieurs hérésies. Ça, c'est mon combat. Vraiment. Ça, c'est le combat que je mène. Comme le frère Paul a mené le même combat avec les circoncis de Jérusalem. C'est le même combat que moi, Armando, je mène afin que la nouvelle génération puisse être renouvelée. Ça, c'est le combat que je mène, moi. De contredire, de corriger les hérésies des aînés dans la foi. Ça, c'est mon combat, moi. Ça, c'est le combat que moi, je mène, moi. Ça, c'est le combat que je mène, moi, Armando. Ça, c'est mon combat. De corriger les hérésies des aînés dans la foi. Afin que la nouvelle génération puisse être renouvelée. Concert chrétien, ça ne figure même pas dans la saine doctrine. Jésus-Christ ne connaît pas ça. Dans la doctrine de Christ, il n'y a pas le concert chrétien. Ça n'existe pas. C'est vous les aînés dans la foi qui sont venus avec. Heureusement, nous sommes ici pour contrecarrer, pour contredire et corriger toutes vos hérésies. Mes frères, on vous a toujours dit que il y a plusieurs églises locales qui doivent être fermées. Bon, vous êtes contre nous, ce que nous disons. Vous êtes contre ce que nous disons. Il y a certaines églises locales qui doivent être fermées. Bon, comme vous ne comprenez toujours pas ce que nous disons, vous voyez comment est-ce que les gens sont tentés de mourir. 9 personnes sont mortes et plusieurs blessés. Votre ignorance va vous tuer. Votre ignorance va vous emmener en enfer. J'ai été invité dans une chaîne YouTube locale. J'étais en train alors de parler sur ce concert qui a tué plusieurs personnes. Et je disais là-bas que ce concert n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu n'est pas dans ce concert-là. Ça n'a rien à voir, frère. Un concert qui est, ou soit, là où les enfants de Dieu s'assemblent afin d'adorer le Seigneur, il ne peut pas avoir des morts et des blessés. Ça n'a pas de sens. Malheureusement, vous, comme vous êtes toujours des fanatiques, comme je vous l'ai toujours dit, frère, il ne faut jamais être fanatique d'une personne physique. Non. Faut pas être fanatique d'une personne physique. Nul est semblable à Jésus-Christ. Toute personne est faillible. Toute personne née dans le péché, grandie dans le péché, ne peut pas te donner la vie. Faut pas être fanatique de quelqu'un. Il faut voir Christ. Il est l'unique.
J'ai été invité dans une chaîne par un frère. Et il y a eu des commentaires, des réactions de certains frères et certaines sœurs. Mais disons, frère Armando, les personnes qui sont mortes au cours du concert de Mike Kalambay, c'est la volonté de Dieu que leur âme se repose en paix. Mais frère, vous êtes tellement des ignorants. Tellement des... Donc, vous réfléchissez comme des Grecs, comme les Philistins. Tellement ignorants. Toute personne qui meurt sans le Seigneur Jésus, dans son ignorance, il ira en enfer. Je vais répéter ça. Toute personne qui mourra dans son ignorance, sans le Seigneur Jésus, ira en enfer. Son âme ne peut jamais se reposer en paix. Jamais. Jamais, mon frère. L'âme de la personne qui se repose en paix, c'est cette personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ de son vivant. C'est cette âme qui va se reposer. Et cette personne a reçu le Seigneur et a marché avec l'Esprit, a vécu dans la sanctification. Il a couru avec Christ et il est mort avec Christ, va se reposer. Bon, maintenant aujourd'hui, vous avez maintenant des personnes comme Mike Kalambay et Moïse Mbille qui sont venus parmi nous avec la compétition comme Ferregola et Fally Ipupa. Bon, comme vous êtes tellement des ignorants, maintenant vous suivez ces lépreux. Ce sont des lépreux, des Grecs, vous les suivez. Mes frères, écoutez ce qu'il a dit dans l'extrait que je vous ai mis. Vous allez comprendre, frère. Donc, dans cet extrait, il avait déjà tout dit. Donc, ça ne sert même pas d'être surpris. Oh, mais pourquoi il y a eu des morts et des blessés? Mais lui-même, il avait tout dit dans le concert qu'il avait donné auparavant. Il avait tout dit. Écoutez-le. Frère, une personne qui vous confirme des choses avant que les choses n'arrivent, mais parce qu'il est déjà au courant de ce qui va se passer. Lui-même a dit, Bawela ki kokende avant, mais bango banani. C'est-à-dire qu'ils se sont précipités d'aller en avance. De qui parlait-il? Mais il fait allusion à Moïse Mbille. Mes frères, vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui se comportent maintenant comme les païens. Il y a plusieurs chrétiens qui se comportent comme les Philistins. Donc, ils ont pris le comportement, le langage, les attitudes, le caractère de ceux qui sont dans le monde, les Philistins, les Grecs, les incirconcis, ils sont venus avec dans le corps de Christ. En réalité, mes frères, Mike Kalambay, son problème, c'est la compétition avec Moïse Mbille. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu n'est pas dans toutes ces choses-là. Il n'est pas là. Ils sont là pour leur compétition. Parce qu'aujourd'hui,
les soi-disant hommes de Dieu qui sont dans ces pays-là. Vous avez maintenant même votre langage. C'est comme le langage des mondains. C'est comme si ici aux États-Unis, il y a soi-disant un pasteur ici, congolais de la RDC. Ici aux États-Unis, qu'est-ce qu'il dit? Église ezabornanga. Ah, mes frères, on ne vous comprend pas. Ça, c'est quel langage? Église ezabornanga. Ça, c'est quel langage? Ça, c'est quel langage? En d'autres termes, l'église, c'est mon truc. Je ne vais pas aller en profondeur. Ça, c'est quel langage? Vous avez même pris la sapologie. Vous êtes venu dans le corps de Christ avec la sapologie. Donc, des pasteurs sapologues. Mais comment est-ce que la sapologie vient dans la maison? Même votre façon de parler, quand on vous écoute, vraiment, on a l'impression que vous êtes encore dans le monde. Votre façon de parler, Ezanga. Donc, la manière de parler, vous ne voyez même pas avec ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Regardez leur façon de parler. Donc, les chrétiens commencent à parler comme des païens. Vous faites maintenant des choses comme des païens. Des choses, la coiffure comme des païens. Vous vous habillez comme des païens. Vous parlez comme des païens. Eh, mes frères, écoutez, il a dit ainsi. Bakomona concerne nous bamonate na vie na bango. Ah, bakomona concerne oyo nanu bamonate na vie na bango. C'est-à-dire que ils vont voir un concert du jamais vu. Voilà. Donc je vais faire un concert du jamais vu que personne n'avait déjà effectué. Mais pourquoi il le dit? Mais parce qu'il savait là où il avait touché. Et effectivement, oui, Tomoni concert au Yonan Tomonate. Donc, Mike Kalamba, il le dit que Bakomona concert au Yonan Bamonate. Effectivement, Tomoni concert au Yonan Tomonate. Parce que Batouba Koufi, Nan Tomonangote. Bisson Nan Tomonangote. Concert Yako Boma Batou, Nan Tomonangote. Concert Yako Zoki Sabatou, Nan Tomonangote. Mbala Liboso. Mbala Liboso. Ils vont voir un concert qu'ils n'ont jamais vu. Effectivement, nous avons vu un concert que nous n'avons jamais vu auparavant. Un concert là où il y a eu 9 morts. On n'a jamais vu ça. Et des blessés. Depuis que l'église a commencé jusqu'aujourd'hui, même au temps de Moïse, jusqu'aujourd'hui, depuis que les choses de Dieu ont commencé jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu un rassemblement qui va louer, soi-disant louer notre Dieu, soi-disant. Et après, il y a 9 morts et des blessés. Donc aujourd'hui que je suis en train de parler ici, il y a des familles en deuil. Il y a des familles en deuil. Il y a des familles en pleurs. Ils ont perdu leurs enfants, leurs femmes, leurs maris. J'ai même entendu qu'il y a même une femme enceinte. C'est ce que j'ai entendu. Une femme enceinte. Mes frères, mais est-ce que Dieu est dans ces choses-là? Est-ce que réellement notre Dieu à nous est dans ces choses? Vous organisez quelque chose, soi-disant, pour adorer le Seigneur et les gens meurent. Et vous venez dire que non, ils sont morts pour la gloire de Dieu. Quelle ignorance! Quelle petitesse intellectuelle! Ils sont morts pour la gloire de Dieu. Quelle bêtise! Mes frères, je vous l'avais dit et je continuerai de vous le dire. Plusieurs églises, on doit les fermer. On doit fermer ces églises. Ils ou elles créent des dégâts. Parce que nous sommes convaincus que Mike Kalambaï est passé par plusieurs églises
pour que ces pasteurs-là, ces faux pasteurs, sensibilisent leurs frères et sœurs afin d'aller là-bas. Et vous aussi, comme vous êtes tellement des fanatiques des pasteurs, c'est triste, hein? Et vous êtes partis là-bas en masse. Malheureusement, il y a des personnes qui pleurent. Voilà. Parce que nous vous disons toujours de faire attention. Nous vous disons toujours, séparez-vous de ces personnes-là. Nous vous disons toujours que certaines églises doivent être fermées. Oh non, frère Armando, ne jugez point. Frère Armando, toi tu crois qu'il n'y a que toi qui connais. Hein, Armando, toi tu crois qu'il n'y a que toi qui connais la Bible. D'ailleurs, tu t'es même autoproclamé docteur. Ne jugez point. Ne touchez pas à mes oins. Tu crois que c'est toi qui es saint. Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer dans les maisons. 9 personnes qui sont mortes. 9 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 personnes mortes. Ça, c'est un génocide, hein, frère. Ça, c'est un génocide spirituel. Un génocide spirituel. Vous avez tué 9 personnes. Et vous dites que le concert était une réussite. Ah, mes frères, les autres sont morts. Les personnes se sont blessées. Les personnes sont mortes. Il y a des familles en pleurs, en larmes. Il y a des familles désespérées. Et vous dites que non, le concert était une réussite. Mais frère, mais moi je ne comprends. Mais comment est-ce que vous n'avez pas la compassion des autres? Je ne vous comprends pas là-bas, mes frères. Franchement, moi ça me dérange. Ça me dérange, frère. Comment ça se fait-il que vous n'avez pas la compassion des êtres humains? Il y a eu des pertes de vie. Et mes frères, au lieu de gagner les âmes, mais vous perdez des âmes. Les personnes sont mortes. Et pas une personne ou deux personnes, non, 9. 9 personnes. Mais ça, c'est un massacre. Donc, vous avez massacré la population. Ça, c'est un génocide. Ah, mais oui, mes frères. Ça, c'est un génocide. Comment est-ce que vous partez, soi-disant, adorer le Seigneur et il y a eu 9 personnes qui sont mortes comme ça, gratuitement? Mes frères, est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Est-ce que réellement vous avez le Saint-Esprit? Comment est-ce que vous n'avez pas la compassion des personnes qui sont mortes et vous êtes là en train de célébrer? Le concert était bon. C'était le concert parmi les grands concerts du pays. Le concert était une réussite. Il a fait un plein à craquer. Moi, je n'appelle pas ça plein à craquer. Ça, c'est un plein à tuer. Ça, ce n'est pas un plein à craquer. C'est un plein à tuer. Parce que 9 personnes sont gratuitement mortes comme ça. Mais frère, 9 personnes, c'est toute une famille. 9 personnes, c'est toute une famille. Mais s'il y avait une femme enceinte, moi, je ne sais pas si on a aussi compté le bébé qui était dans le ventre. Moi, je ne sais pas comment est-ce que vous avez fait ça. Donc, 10 personnes ou plus de 10, puisque les enquêtes continuent. Et ceux qui sont dans les hôpitaux blessés, on ne sait pas s'il y aura encore des morts. Et vous, comme vous êtes tellement ignorant, vous êtes tellement fanatique des personnes charnelles, vous allez applaudir à des choses pareilles. Est-ce que Dieu est dans ces choses-là? Et il vient là avec tout le courage du monde. Mon frère Wera, mon frère Fali, mon frère Bill Clinton, héritier. Mais mes frères, est-ce que vous vraiment, vous avez le Saint-Esprit? Est-ce que réellement vous comprenez la doctrine de Christ? Vous comprenez ça? Quelqu'un qui vient vous dire que n'a invité Ouera,
Donc, il a invité Ouéra. Mes frères, vous savez, je vais vous dire une chose. Inviter Ouéra son à un rassemblement des enfants de Dieu, ce n'est pas mauvais. Inviter Fally Ipupa dans un rassemblement des enfants de Dieu, ce n'est pas mauvais. Inviter Bill Clinton, héritier, Kofi, n'importe qui, dans un rassemblement de Dieu, des enfants de Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais, il faut que cette invitation corresponde à la doctrine de Christ. Il faut que leur invitation, leur présence corresponde à la doctrine de Christ. Ils ne peuvent que venir là-bas si c'est pour la repentance. Il vient là-bas pour se repentir. Il vient là-bas pour exactement accepter le Seigneur Jésus. Il vient là-bas pour donner son âme à Christ. Il vient là-bas pour abandonner le mal. Il vient là-bas pour se conformer à la parole. Et après, changer de comportement. Mais malheureusement, non, ce n'est pas ça. Vous invitez un grec, un incirconcis, un philistin, Ouérason, il vient dans le concert avec son boucle d'oreille. Et donc, il vient avec son boucle d'oreille, avec la coiffe des philistins, avec l'habillement des grecs. Et vous le faites monter au podium pour parler soi-disant à l'église. Moi, je ne sais pas. Aux païens, je ne sais pas. Aux philistins, aux grecs, aux lépreux qui étaient là. C'est triste, hein? Bako mona concert, oh nanoba monate, mais oui, effectivement, to monipe concert, oh to monate, concert yaba assassin. Concert yaba assassin, oh yo, ebomi batou. Un concert qui a tué des gens, là où il y a eu perte de vie. Oui, effectivement, to moni concert, oh nan to bonate. To mona monante, hein? Concert, oh yo, bazo boma batou. To mona monante. Bazo zokisa batou, to mona monante. Un concert assassin, génocide. Et qu'est-ce qu'il a encore dit? Il a dit ainsi, n'a invité Yahouera. Mais frère, donc vous avez le, c'est-à-dire que le langage des païens, votre façon de parler est semblable à celui ou à celle des païens. N'a bengisi Yahouera. Ah, mes frères, mais moi je ne sais pas. Mes frères, nous sommes chrétiens. Je vais vous lire la Bible. Nous sommes chrétiens, frères. Un disciple de Christ ne peut pas avoir le langage des païens, le langage des philistins. Donc vous avez le langage des grecs, des lépreux. Un homme de Dieu, un disciple de Christ renouvelé doit avoir un langage propre selon la saine doctrine. Oyo église, oyo ezabor nanga. Na bengi si yawera. Poya koye bisanga plein oyo na plein oyo. Donc toi, ce qui t'importe, c'est le plein. Ce n'est pas gagner les âmes qui t'importent. Ce qui t'importe, toi, c'est la foule des personnes. C'est ça. Pour toi, Mike Kalamba, et toi, ton souci, c'est le plein. Au lieu, obengisa wera, po ayako, bongo la motema, non. Mais obengisi ye po ayako loba plein oyo. N'a plein ya Moïse Mbille. On comprend déjà le langage. On n'est pas des petits enfants. On comprend déjà le langage. Hein? On n'est pas des enfants. Tu es en train de faire la comparaison. C'est-à-dire que tu vas
Tu es en train de faire la comparaison entre ton concert à toi et le concert de Moïse Mbille, là où il y avait plus de plaintes. On n'est pas des enfants, on comprend déjà. Donc, en toi, c'est la compétition avec Moïse Mbille. C'est la compétition avec Moïse Mbille. Mes frères, rappelez-vous que j'avais déjà fait plus de trois vidéos sur Madjabou Talent. Rappelez-vous. J'ai fait plus de trois vidéos sur Madjabou Talent. Et je vous disais dans ces vidéos que cette organisation ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas là. Leur objectif, c'est la compétition. Madjabou Talent, leur objectif, c'est la compétition. Ce n'est pas pour rien que Madjabou Talent avait travaillé avec Moïse Mbille après Mike Kalambay. C'est la compétition de ces deux-là. Moïse Mbille et Kalambay. C'est la compétition. Bon, maintenant, vous, comme vous êtes tellement ignorant, cerveau, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a mis là-bas. Voilà pourquoi vous allez continuer de pleurer, 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 pleurer. Je vais lire la Bible. Je lis la Bible. Que le Seigneur vous aide à être renouvelé, afin de voir les choses comme le frère Paul, comme l'un de nous. J'ai lu la Bible. La Bible va dire ainsi. Mes frères, je vais lire la Bible avant de vous mettre là où il avait parlé là. Je vais d'abord lire la Bible. Après, je vais revenir. Je suis dans 1 Timothée. 1 Timothée 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Mes frères, un chrétien ne peut pas avoir le langage, les paroles de ceux qui sont dans le monde. Non. Toi, tu es chrétien. Tu es disciple de Christ. Malheureusement, vous, dans votre ignorance, vous avez même accepté comme prophète l'homme de pétage, Denis Lessie. Un pétage, dans l'église quoi, pétage. Est-ce que ça, c'est un langage propre aux enfants de Dieu? Hein, frère, écoutez, hein, écoutez vous-même. Après, je vais revenir pour en parler. Suivez. On me fait savoir que y a un diamant matin dans les rançons à Zalipéra. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? J'aimerais lui dire merci. Il est là? Est-ce qu'il est là? J'aimerais le voir. J'aimerais le voir. Ça ne me dérange rien. J'aimerais le voir. Est-ce qu'il est là? Mais on me fait savoir également que mon frère Bill Clinton Kalonji a salué bien. On me fait savoir qu'héritier Ouattara veut bien salué. Mon frère Fali m'a dit qu'il est occupé, il est empêché, il est en Europe. Mais pour sa disponibilité, Bethlehem est supérieure à Bokopo. Voilà. Mais bien aimé, vous savez, je venais de dire ici que inviter les païens, les incirconcis, les philistins, pour venir écouter la parole de Dieu, c'est pas mauvais. Parce que notre objectif, c'est de gagner les païens, c'est de gagner les âmes, afin qu'ils viennent à Christ. Mais, étant un disciple de Christ, un enfant de Dieu, on ne peut pas présenter à l'église les païens comme nos frères. Non. Frères Fali. Non. Dans les choses de Dieu, nous ne pouvons pas avoir un langage du monde. C'est différent, mes frères. Eh, mes frères, c'est différent.
Parce que si vous dites que vous vous êtes rassemblés pour adorer le Seigneur, selon vous, vous vous êtes rassemblés pour adorer le Seigneur. Je pèse mes mots, selon vous. Mais comment est-ce que là où vous vous êtes rassemblés pour adorer le Seigneur, là où il y a plusieurs églises confondues qui sont venues là-bas, mais vous les présentez, où est rassemblé? Et vous l'appelez frère. Non, ce n'est pas un frère. Non, il n'est pas frère. Dans les choses de Dieu, on appelle frère une personne exemplaire par rapport à la doctrine de Christ. Qu'il soit un modèle en parole, en conduite, en pureté. Il doit être un modèle. Bon, vous présentez un frère, mais qui a des boucles d'oreilles. Est-ce que Wérasson, c'est un frère d'abord? Dans les choses de Dieu. Attention, frère. Je suis en train de peser mes mots. Je ne parle pas ici de fraternité dans le sens physique. C'est-à-dire un frère dans la famille. Non, ça c'est différent. Un frère du sang ou un frère de la même tradition ou soit de la même province, de la même ville. Non, moi je parle des frères dans le Seigneur. Parce que réellement, vous êtes là avec l'objectif, soi-disant des choses de Dieu. Mais comment est-ce que Fali maintenant est un frère? Il est frère par rapport à quoi? Oh non, le frère Fali. Non, il est frère par rapport à quoi? Hein? Il est frère par rapport à quoi? La Bible dit quoi? On va lire la Bible. Éphésiens. Il est frère par rapport à quoi? Éphésiens chapitre 5. Le verset 11. Éphésiens 5, 11, la Bible va dire ainsi. Oh non, frère Ouera, frère Fali, frère Bill Clinton, frère. Ça c'est quoi ça? Mes frères, mais comment est-ce que vous pouvez continuer de suivre des personnes comme ça? Hein? Bill Clinton, Ouera, Fali et les autres là. Vous ne savez pas que ce sont des nécromanciens? Ce sont des personnes qui sont dans des pratiques occultes, bizarres, sataniques, diaboliques, baphomiques. Vous ne savez pas ça? Maintenant, ce sont des frères dans le Seigneur, papa, quoi. C'est comme je suis passé là dans une chaîne YouTube. Il y a une question qui m'avait été posée, celle de savoir, frère Armando, Wérasson aussi est un enfant de Dieu. J'ai dit, non, Wérasson n'est pas un enfant de Dieu. Non, non. Mais frère, ça c'est quoi? Wérasson n'est pas un enfant de Dieu. Non, 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 non. Wérasson n'est pas enfant de Dieu. Fali Poupa n'est pas enfant de Dieu. Non. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Non, 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 frère. Qui est enfant de Dieu? Ça, c'est la question qui m'avait été posée. Qui est enfant de Dieu? Jean chapitre 1, verset 12. C'est eux qui sont les enfants de Dieu. Je vais lire ça. Jean 1, 12 à 13. C'est eux les enfants de Dieu. Comment est-ce que vous appelez Wérasson enfant de Dieu? Ce n'est pas un enfant de Dieu. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, le verset 1. Pardon, le verset 12 à 13. Écoutez, la Bible va dire ça. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est cité ici. Jean chapitre 1er, le verset 12 à 13. La Bible va dire ainsi. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Puisqu'ils sont nés du fait, non du fait de la nature, ni par volonté humaine, ni par volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Voilà, c'est eux qui sont les enfants de Dieu. Oui, Rasson n'est pas un enfant de Dieu. Non. Fali n'est pas enfant de Dieu. Je vais relire ça dans cette version. Un enfant de Dieu, c'est celui qui, premièrement, a reçu Jésus dans sa vie, a cru en Christ. Il est né de nouveau, en accord avec 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Ça, c'est un enfant de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est cette personne qui était autrefois dans le monde et il va quitter le monde en acceptant Christ. Christ va lui donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu et les choses anciennes sont passées. Bon, maintenant vous, vous appelez Fali, frère Fali. Oh, mais il est encore dans le monde. Comment est-ce qu'il est frère? Il est encore dans le monde. Il est encore dans l'impudicité. Hmm? Dans des pratiques sataniques. Il est encore dans le monde. Il est frère comment? Vous appelez Ouera frère Ouera? Non, il n'est pas frère. Ouera n'est pas frère dans les choses de Dieu. Il est encore dans le monde. Le roi de la forêt. Il est encore le roi de la forêt. Donc, il continue dans la forêt. Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'église? Si lui, il est encore dans la forêt. Il continue dans la forêt. Hein, mes frères? Quelqu'un comme Bill Clinton, vous l'appelez frère Bill, non? Il est dans la nécromancie. Comment est-ce qu'un nécromancien, vous l'appelez frère? Mes frères, moi, je ne vous comprends pas. Un frère, c'est celui qui est né de nouveau. C'est lui qui est frère. Dans les choses de Dieu. Je vais lire ça dans cette version. Jean chapitre 1er. Frère Fali. Et, mes frères, donc, vous allez nous dire aussi que... non, mais ça c'est quoi ça? Hmm? Ça c'est quoi ça? Tout le monde sont devenus longtemps des frères. Frère Nyoka Longo. Frère Alpha Blondine. Ça c'est quoi ça? Mais mes frères, non. Frère Mboutalikas, non. Tout le monde n'est pas frère. Non, frère. Tout le monde n'est pas frère. Dans le Seigneur, bien sûr. Dans le Seigneur. Et Kofi Olomide aussi, frère Kofi. Ça, c'est quoi ça? Frère Kofi. Jean chapitre 1er. Dans les choses de Dieu, ce ne sont pas des frères. Mm-mm. Ce sont des païens. Des grecs. Ce ne sont pas des frères. Jean chapitre 1er, le verset 12 à 13, la Bible dit ainsi. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Voilà, tu dois avoir ce droit-là, de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle. Non, non, mon frère. Ce n'est pas parce qu'on t'a mis au monde, alors tu es enfant de Dieu. Non, frère. Il y a des créatures de Dieu et les enfants de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Toute personne qui est née par le biais d'une femme est créature de Dieu. Il n'est pas encore enfant de Dieu. Avant d'être enfant de Dieu, il faut accepter Christ et marcher selon l'Esprit. C'est là qu'on va t'appeler frère. Mais aussi longtemps que tu es toujours dans le Ndombolo. Tu es toujours dans Ndombolo là-bas. Dans le Zouk, le Rumba. Tu n'es pas frère? Tu es frère de qui? Tu es toujours dans la forêt. Tu n'es pas frère de quelqu'un? Frère de qui? Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine, c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Ça, ce sont les enfants de Dieu. C'est eux que nous pouvons appeler frères. Ah ben oui. Ce n'est pas vous venez ici, vous commencez à appeler frères tout le monde. Et vous les présentez, soi-disant, à l'église. Et vous aussi les ignorants. Hein? Amen. Mes frères, séparez-vous des lépreux, des grecs, des philistins. Sinon, vous allez mourir comme des philistins. 9 personnes sont mortes comme des philistins. Vous allez tomber dans le champ de bataille. On vous a toujours dit, toutes ces personnes-là ne sont pas dans le Seigneur. Ils ne sont pas dans le Seigneur, mes frères. Leurs œuvres, vous ne voyez pas. Le Seigneur Jésus a dit dans la Bible, vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Jésus n'a pas dit vous les reconnaîtrez à leur plein au stade des martyrs. Parce que vous, c'est ça. Votre souci, c'est ça. C'est le plein. Voilà, il faut que le stade soit plein afin de bien tuer les gens. C'est triste, hein? Mais donc aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer. C'est encore vous qui nous dites, ne touchez pas à mes oins. Donc, il ne faut pas pleurer. Quand les personnes meurent, vous pleurez encore pourquoi? On vous a dit ici, éloignez-vous de ces personnes-là. Sortez de leurs églises. Ces églises-là, là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Attention, pas toutes les églises. Je pèse sur mes mots. Hein? Je pèse sur mes phrases. Je ne parle pas de toutes les églises, non. Parce que nous croyons qu'il y a des églises de Dieu et les églises qui ne sont pas de Dieu. Nous croyons qu'il y a les enfants de Dieu et les enfants de Baphomet. Nous croyons ça. Il y a des vrais hommes de Dieu et les faux hommes de Dieu. Donc si vous êtes dans une église avec les faux hommes de Dieu, il faut quitter de là. Ça, ce sont les faux hommes de Dieu. Ce sont des faux Mukuna, faux hommes de Dieu. Prophète Kondé, un faux homme de Dieu. Des faux prophètes, soi-disant prophètes. Un prophète qui n'a jamais enseigné la Bible. Est-ce que vous avez déjà écouté ses enseignements? Il a déjà enseigné quoi? Prophète, il a enseigné quoi? Quels sont ses enseignements? Mike Kalambay aussi, faux homme de Dieu. Moi, je ne sais pas, vous êtes ensemble avec des féticheurs. On ne sait pas. Mes frères, vous-même, vous ne voyez pas que ces personnes-là sont ensemble avec des féticheurs, des musiciens mondains. Ah, mes bien-aimés, mais comment est-ce que vous ne voyez pas avec vos yeux vraiment? Eh, mes frères, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mes frères, mais vous n'entendez pas vraiment. Comment est-ce qu'un chrétien, un disciple de Christ, tu vas suivre quelqu'un comme Mike Kalambay avec toutes ces erreurs-là qu'il est en train de... On ne fait que les croiser dans les scandales. Et ça c'est quel genre de personne vraiment? Il est toujours dans les scandales, l'impudicité, l'adultère. L'immoralité sexuelle, la tuerie, il est toujours là. Mais vous êtes toujours là. Ne touchez pas au... Ah! Non, vraiment, l'église, vraiment, les chrétiens, franchement, je ne sais pas, mes frères. En fait, moi, parfois, je me demande, est-ce que réellement, vous avez des cerveaux? Eh, mes frères, est-ce que réellement, vous réfléchissez? Est-ce que réellement, vous raisonnez? Comment ça se fait-il que des personnes qui ont des cerveaux qui fonctionnent, mais vous allez suivre Mike Kalambay? Quelqu'un qui est toujours en train de faire des dégâts dans l'église. L'impudicité, dégâts, il est là. Les vidéos de nudité, il est là. L'adultère, il est là. La débauche sexuelle, il est là. Frapper sa femme, divorcer, beaucoup de choses, il est là. Et, mes frères, ces gens-là se connaissent. C'est entre eux. Donc, quand il est en train d'inviter Fali Ipupa, Bill Clinton aussi est venu, Kofi Olomide, Werrason, mais ils se connaissent. Mes frères, mais comment est-ce que vous ne comprenez pas les choses qui sont visibles vraiment? Eh, mes frères, les choses qui sont visibles, vous ne comprenez toujours pas ça. Mais c'est visible. Eh, mes bien-aimés, je vais lire la Bible. Les choses qui sont visibles, vous ne voyez pas ça. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. La Bible va déclarer ainsi. 2 Corinthiens chapitre 6. Le mal avec vous, les chrétiens, c'est ça. La Bible, vous ne connaissez pas. La doctrine de Christ, vous ne connaissez pas. Mais comment ça se fait-il que vous allez vous autoproclamer chrétien? Je suis chrétien. La doctrine de Jésus, tu ne connais pas ça. Comment est-ce que tu es chrétien? Voilà pourquoi on commence maintenant à vous tuer dans les concerts.
J'ai même entendu que parmi les 9 morts, il y a une jeune fille qui se préparait pour son voyage aux États-Unis. Ses parents l'avaient déjà organisé, l'avaient déjà traité son passeport et son visa pour les États-Unis. Donc son voyage était déjà préparé. J'ai vu ça dans les réseaux sociaux. C'est son père qui était en train de parler. Son père a dit que ma fille a déjà son passeport et son visa prêt pour les États-Unis. Son voyage est déjà fixé pour une date X. Elle devrait aller aux États-Unis. Mais malheureusement, elle est morte dans les concerts. Mes frères, on vous a toujours dit, séparez-vous de ces personnes-là. Vous n'écoutez pas. C'est encore vous qui nous attaquez. Quand on vous dit quitter de là, non, frère Armando, ne touchez pas à mes oins. Ce sont les oins de Dieu. Armando, tu es jaloux. Dernièrement, c'est ce qu'on m'a dit quand je suis parti là-bas dans une chaîne YouTube. Je vais là-bas, on m'a dit, Armando, toi, tu crois qu'il n'y a que toi qui es saint. Pourquoi tu aimes juger les autres? Tu crois que tu es saint? C'est encore vous qui nous attaquez, qui nous contredisez, mais vous venez encore en larmes, en pleurant, pour venir réclamer vos enfants qui sont tués. C'est triste, hein? 2 Corinthiens. La pauvre petite qui a eu son passeport, son visa, elle allait venir ici aux États-Unis. Elle est morte à cause de Mike Kalambayi concert. Vous tombez comme ça, comme des Philistins, vraiment. Vous êtes en train de mourir comme des Grecs, des incirconcis, des Philistins, des lépreux. Vous mourrez comme ça, gratuitement. Ça me fait mal, hein. Vraiment, votre ignorance me dérange, hein. Franchement. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Écoutez. 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Mais frère, mais il y a quel rapport là-bas entre la justice et l'iniquité? Comment est-ce que vous êtes en train d'organiser, soi-disant, un événement pour la gloire de Dieu, soi-disant? Parce que moi, je ne crois pas que ça, c'était pour la gloire de Dieu. Ça, c'est pour votre propre gloire. Vos compétitions de Majabu Talent, Mike Kalambayi et Moïse Mbiye, vos compétitions à vous. Donc, à cause de vos compétitions, les personnes sont en train d'être tuées. Mais frère, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Bon, soi-disant, vous êtes des personnes qui viennent des églises pour venir adorer Dieu. Mais comment est-ce que vous qui venez avec la justice, mais il y a l'iniquité qui est là? Qui ne sait pas que Ouerason, c'est quelqu'un de fétiche? Vous ne savez pas ça, que c'est un féticheur, quelqu'un qui est dans les fétiches. Mais qui a fait, ou soit qui a tourné, ou quoi, qui a organisé cet album intitulé Opération Dragon? Vous savez ça, ça signifie quoi? Opération Dragon. Vous savez ça signifie quoi? Eh mes frères, puisque vous êtes tellement ignorants, vous n'allez pas voir les choses. Opération Dragon. C'est lui qui a chanté ça. Ouerason. Opération Dragon. Mais pourquoi il va chanter Opération Dragon alors que Bruce Lee, vous voyez Bruce Lee? Bruce Lee aussi va faire un film, il va donner le titre Opération Dragon. Ça ne vous dit rien. Bon, vous, comme vous êtes encore des ignorants, vous n'allez toujours pas comprendre ça. Mes frères, ce sont les serviteurs de Satan. Ce sont les disciples de Baphomet, ces gens-là. Ce sont les disciples de Satan.
Comment est-ce que vous invitez les disciples de Satan dans vos concerts? Bon, quelqu'un comme héritier Watanabe, un frère héritier, n'est-ce pas lui qui a fait l'album ou soit qui a chanté mi-ange, mi-démon? C'est pas lui. Non, je vous pose la question, c'est lui, oui ou non? Mais donc, comment est-ce que vous pouvez cohabiter avec les serviteurs de Satan? Eh mes frères, quelqu'un qui fait un album, soit qui va tourner, moi je ne sais pas, un clip, moi je ne sais pas, comment est-ce que vous appelez ça? Qui va être auteur d'un mi-ange, mi-démon. En d'autres termes, mi-dieu, mi-satan. Mi-circoncis, mi-incirconcis. Mi-juif, mi-grec. C'est eux que vous appelez frères. Frères héritiers. Des satanistes comme ça. Vous les appelez frères. Mais frères, vraiment, votre ignorance est un problème sérieux. Vous êtes tellement des ignorants. Franchement. Donc vous êtes les envoyés de Satan. C'est Satan qui vous envoyait. Vous présentez maintenant à l'église les gens comme Fali, Poupa. Mais mes frères, qui ignore que Fali et Poupa est un féticheur en personne? Qui ignore ça? Qui ignore que Fali et Poupa est un serviteur de Baphomet? Qui ignore ça? Qui parmi vous ne connaît pas que Fali et Poupa, c'est un sataniste tout fait? Qui ne sait pas ça? Et vous l'appelez frère Fali. Un sataniste comme ça. Mais frère, est-ce que leurs fruits ne vous disent rien, frère? La Bible a dit, le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais eux-mêmes se trahissent. Quand il est en train de dire frère Fali, frère Ouera, moi je ne sais pas, Bill, mais il s'est trahi. Ce sont des personnes qui marchent ensemble. Les oiseaux des mêmes plumages, maïs de même feuillage, ce sont les tomates des mêmes racines. Pourquoi vous les suivez, mes frères? On ne vous comprend pas. Les papayes des mêmes arbres, vous les suivez. Donc, et vous, et ces lépreux, vous êtes tous pareils. Trop spirituel, on s'abrutit. Trop ignorant, on s'égare. Malheureusement, vous allez mourir comme des Philistins. Vous voyez, 9 personnes qui sont mortes. Si vous nous avez entendus, vous ne serez pas mortes. Franchement, je vous dis ce qui est vrai. Si réellement vous avez prêté l'oreille à ce que nous disons, vous serez encore en vie. Mais malheureusement, mais dommage. Voilà, vous tombez dans le champ de bataille comme des Philistins comme ça. Gratuitement, vous perdez vos vies. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Je descends. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres, mes frères? Oh, nous sommes partis louer le Seigneur. Nous sommes partis adorer Dieu. Mais comment est-ce que vous allez adorer Dieu avec les nécromanciens? Non, mes frères, expliquez-nous ça. Je ne vous comprends pas. Expliquez-nous ça. Comment est-ce que vous allez adorer Dieu avec les serviteurs des dragons? Comment est-ce que vous allez adorer le Seigneur avec des personnes qui servent Baphomet? Je ne vous comprends pas. Il n'y a pas de rapport là-bas. Qu'y a-t-il de commun entre vous? Comment est-ce que vous partez, soi-disant, adorer le Seigneur, soi-disant, célébrer Dieu, mais
Il y a des personnes qui vont mourir là-bas. Oh, mais comment tu me frère, ça c'est quel Dieu qui va tuer les personnes qui viennent l'adorer? Est-ce qu'il y a un sens? Comment est-ce que Dieu va tuer les personnes qui viennent l'adorer? Donc c'est qu'il y a eu des pratiques maçonniques avant longtemps dans ces choses-là. C'est qu'il y a eu des pratiques sataniques dans tout cela. Il y a beaucoup de centres dans le Seigneur, non? Il y a beaucoup de centres. Alain Mouloto, Denis Ngonde, ils sont nombreux, nombreux qui sont passés. Même David. Même David qui était chantre. Vous avez déjà eu en fait des nouvelles pareilles? Vous avez déjà entendu ça? Qu'il y a eu le chantre est parti chanter quelque part et il y a eu des morts et des blessés. Vous avez déjà entendu ça? Ça, c'est la compétition de Moïse Mbille et Mike Kalambay. Une compétition qui est patrocinée ou soit qui est financée par Madia Boutalent, accompagné avec la puissance de Baphomet. C'est Baphomet qui est derrière ça. C'est le diable qui est derrière toutes ces activités-là. De verser le sang humain afin d'avoir du succès. Voilà pourquoi Ouera a dit à partir d'aujourd'hui, Mike Kalambay est entré dans la cour des grands. Les grands en question, c'est qui? Les grands, c'est qui? C'est ceux qui organisent des concerts pleins à tuer les gens. Ça, ce sont les grands. Je continue. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel apport y a-t-il entre Christ et Bélial? Mes frères, mais il y a quel rapport là-bas? Entre Christ et Bélial, il n'y a pas de rapport. Comment est-ce que vous dites que non, nous sommes partis adorer Dieu, mais il y a eu des morts et des blessés? Mais parce qu'il y a eu des pratiques sataniques qui ont été faites avant le concert. Parce que toi-même, Mike, tu avais dit ça. Tu avais dit ça. Bah, comme on a concert, oh, non, bah, mon athée. Mais oui, parce que tu savais ce que tu disais. Tu étais confiant de ce que tu préparais. Faut pas nous dire que non, on m'avait béni. Non, 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 non. Parce que vous, aujourd'hui, vous êtes en train de mélanger Dieu et Satan. Vous mélangez les deux. Vous êtes avec Satan, mais vous venez là avec l'hypocrisie. Hein, c'est Dieu qui m'a béni. Non. Ce n'est pas Dieu qui vous a béni. Mais frère, vous voyez ces personnes-là, quand ils sont tentés de prier avec les vrais hommes de Dieu, ils viennent là dans les médias. Mais quand ils sont avec les faux hommes de Dieu, ils se cachent. C'est triste, hein? Quel apport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle et l'infidèle? Mes frères, mais est-ce que vous pouvez être là ensemble avec les infidèles pour adorer Dieu? Ça n'a pas de sens. Le verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Mais il n'y a pas de rapport. Soit disant, vous êtes là pour adorer Dieu, mais vous appelez quelqu'un avec les boucles d'oreilles. Mes frères, ça c'est quoi? Comment est-ce que quelqu'un qui a des boucles d'oreilles, c'est lui qui vient parler avec les enfants de Dieu? Ça c'est quoi ça? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Mes frères, le Seigneur est clair. Séparez-vous d'eux. Mais vous êtes toujours avec eux. Mes frères, moi, ce qui me fait mal est que il y a d'autres personnes
qui sont dans la joie, qui sont en train de jeter les fleurs à ceux qui ont organisé ce concert, qui sont en train d'applaudir le concert, que c'était une réussite. Mais malheureusement, de l'autre côté, il y a 9 familles qui sont en train de pleurer leurs membres. Mais frère, est-ce que Dieu est dans ces choses? Est-ce que Dieu peut permettre des choses pareilles? Et mes frères, les autres sont dans la joie et les autres pleurent à cause de vous. Donc le sang de ces personnes-là se retrouve dans vos mains. Vous êtes des coupables des génocides que vous causez dans les familles de plusieurs personnes. Et mes frères, mais vous aussi qui suivez ces personnes, mes frères, l'ignorance va vous détruire. Hein? L'ignorance va vous détruire. Hein? Et mes frères, vous venez là avec le langage des païens. Vous avez le langage de ceux qui sont dans le monde. Mes frères, constatez vous-même, hein, ces soi-disant hommes de Dieu, surtout des pays africains, leur langage, c'est comme les païens qui parlent. C'est comme un païen qui parle. Hein, mes bien-aimés. Mes frères, j'aimerais poser une question à ceux qui vivent au Congo RDC, c'est-à-dire aux Congolais de la RDC. J'aimerais vous poser une question, parce que moi je ne comprends pas. Mais profondément, je comprends. Pourquoi, avant d'organiser un concert dans le stade des martyrs, il faut aller voir, soi-disant, le prophète Kondé? Pourquoi il faut aller le voir? Les musiciens mondains, avant d'organiser un concert au stade des martyrs, il faut aller voir ce monsieur. Soi-disant, ceux qui chantent pour Dieu, soi-disant, parce que je n'ai même pas confiance en vous. Vous ne chantez pas pour Dieu, même pas. Vous chantez pour votre propre gloire, pour vos dieux à vous, le Dieu minuscule. Ça, ce n'est pas notre Dieu. C'est tout le monde qui va voir prophète Kondé avant de chanter au stade des martyrs. Mais, est-ce que le stade des martyrs, c'est pour Kondé? C'est lui qui a fait construire ce stade-là. C'est lui qui est le propriétaire de ce stade-là. C'est lui qui détient les clés de ce stade-là. Mais pourquoi il faut d'abord aller le voir avant de jouer un concert? Mes frères, réfléchissez. Réfléchissez, mes frères. Pourquoi vous ne comprenez pas jusqu'alors qu'avant d'aller faire les plaies au stade des martyrs, il faut aller bouger des marmites? Vous ne comprenez pas ça. Il faut aller bouger les marmites. Et ces marmites se trouvent chez Kondé. Mais vous ne comprenez pas les choses, frère. Comment est-ce que vous êtes toujours des ignorants? Hein, mes frères? Comment vous êtes tous les ignorants, frère? Trop spirituel, on s'abrutit. Trop ignorant, on s'égare. On s'abrutit. Et on peut terminer en enfer. Malheureusement, votre ignorance commence à vous tuer. L'ignorance tue. L'égarement tue. Quand vous êtes dans la perdition, vous allez vous faire massacrer. Je vous l'ai dit ici. Si vous n'êtes pas intelligent, vous n'avez pas la sagesse, vous allez vous faire massacrer. Je vous dis ça ici beaucoup de fois. Beaucoup de fois, je vous dis ça ici dans cette chaîne. Tu es chrétien. Tu es disciple de Christ. Sois aussi intelligent. Ce n'est pas seulement la foi. La foi ne suffit pas. Je vais vous répéter ces choses. La foi ne suffit pas. Il faut ajouter l'intelligence et la sagesse, le discernement, la crainte de Dieu, la sanctification. Ajoute ça. Sinon,
vous allez vous faire massacrer. Vous regardez, vous voyez ici. Les familles sont en train de pleurer leurs enfants. À cause de quoi? L'ignorance. Mes frères, nous continuerons de vous dire les mêmes choses afin que vous puissiez vous réveiller. Malheureusement, vous puissiez vous renouveler. Renouvelez-vous. Que le Seigneur vous aide. Que l'incomparable Christ, le Seigneur, l'incorrigible, vous renouvelle afin de voir les choses comme nos frères, les vrais frères, le frère Paul, et non le frère Ouera, et non le frère Bill Clinton, le frère Fali. Non, mais les vrais frères en Christ, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Que le Seigneur vous aide. Comme nous disons, nous continuerons de vous répéter ça. Maranatha, l'incomparable Seigneur et l'incorrigible Seigneur. Christ revient bientôt pour prendre les vrais frères en Christ. Et nous sommes partis au paradis. Les frères Fali, les frères Ouera, les frères Bill Clinton et les autres lépreux, les Philistins et les Grecs, vous allez rester. Vous allez rester, si vous continuez comme ça, vous allez rester. On me fait savoir que y a un diamant matin d'Aouer en son à Zalipéa. Oh là là, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? J'aimerais lui dire merci, il est là. Est-ce qu'il est là? J'aimerais le voir. J'aimerais le voir. Ça ne me dérange rien, j'aimerais le voir. Est-ce qu'il est là? Mais on me fait savoir également que mon frère Bill Clinton Kalonji a salué bien. On me fait savoir que l'héritier Ouattara veut bien salué. Mon frère Fali m'a dit qu'il est occupé, il est empêché, il est en Europe. Mais pour sa disponibilité, Bethela est super ma popopo. Voilà. Le bon Issoussou, merci.